là ces dernières années parce que moi aussi je me suis mis aux Ironman par le goût du défi en fait, et c'est là où je me suis rendu compte de la valeur du mental, parce que c'est vraiment le type d'effort où au final pour moi un Ironman, même si c'est un petit peu le sommet de l'effort physique, en tout cas dans mon échelle, je le symbolise volontiers en disant que c'est 80% de mental et 20% de physique.